Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une petite heure. Bonjour aux habitués, bonjour aux nouveaux, bienvenue à ceux qui nous suivent du côté euh, beyonce.net slash live slash fr, bienvenue à ceux qui nous rejoignent du côté YouTube euh, sur la chaîne Adobe France. Si vous êtes du côté YouTube et que vous avez moyen, vous verrez dans le chat, je vous ai laissé un petit lien pour me retrouver du côté, euh, du côté Beyonce, et du coup ça va être beaucoup plus simple pour moi de ne suivre qu'un écran à la fois, plutôt que deux, trois répartis à droite à gauche. Ensuite, euh, parmi les points qui seront important, c'est que on est ensemble pour une petite heure, on va parler de photographie principalement, on va surtout parler de retouche photographique parce que je ne suis très clairement pas photographe et ça vous le savez. Du coup, je vais vous montrer moi où je vais chercher mes photos, où je vais chercher mes images en sachant que de toute façon, ce que je réalise en général, ce sont des photos tirées sur un boîtier pas plus grand que ça, tout simplement parce que je l'ai dans la poche ou dans la main au moment où j'en ai besoin et que euh, pour mon besoin, qui n'est pas un besoin de photographe pro, c'est suffisant. Évidemment aussi, si vous êtes photographe professionnel, vous tirez complètement parti des plus gros boîtiers avec les meilleurs objectifs, les plus adaptés, le moins de déformations, le moins de changements sur vos, sur les bords de votre image, les fameux full frame, etc. Et tout ça, eh bien, vous le savez sans doute bien mieux que moi en termes de technique, il y a tout un tas d'endroits où on peut développer la partie purement technique photo photo, la lumière, le flash, etc. Ici, on va essayer de se concentrer sur la partie euh, uniquement euh, développement. Et dans les développements, on va regarder pour les éléments et pour les pour les choix justement et eh bien de réglages, de réglages, de détourage, de réglages de couleur, etc. On va voir un petit peu comment on est capable de réaliser euh, des masques. Mais ce qui va nous intéresser, ce qui va moi m'intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est que euh, ce, ce choix, cette manière de travailler sur les sur les réglages, et eh bien on va la faire. Euh, à différents niveaux, de différentes manières, en fonction du type d'application, en fonction du type de besoin que l'on va retrouver. Ce que je ferai aussi avec vous, hop, pardon, ce que je ferai aussi avec vous, c'est que euh, on va aussi prendre le temps de passer à la fois dans Photoshop et dans Lightroom classique. On va démarrer plutôt dans Lightroom classique parce qu'il me semble que j'ai constaté que beaucoup de photographes étaient plutôt sur Lightroom version cloud, Lightroom classique, qui d'ailleurs communiquent très bien entre eux, euh, et qu'ils allaient sur Photoshop pour certaines étapes de finalisation. Donc on va euh, on va passer plutôt euh, par cet ordre-là, et j'espère que ça vous conviendra, et que ça vous aidera beaucoup à travailler. Euh, petit sondage en amont, pour les habitués, pour les nouveaux, euh, est-ce que vous êtes utilisateur de Photoshop, Lightroom classique ou Lightroom, et vous allez mettre devant 0, 50 ou 100% 100%, vous l'utilisez tous les jours, vous êtes à fond et vous mettez tout ça sur une seule ligne hein. comme ça je, je comprends un petit peu mieux qui fait quoi euh, une fois que vous êtes là dedans et eh bien ça va me permettre moi de comprendre euh, qui je guide et comment je vous emmène là dessus deux petites news aussi par rapport à la chaîne par rapport au contenu qu'on développe ensemble euh, avec vous et pour vous euh, on a euh, aujourd'hui et je suis plutôt plutôt content check. Je vais vous partager mon écran, d'ailleurs ce sera mieux. On aura plus l'impression d'être euh, à la maison. Hop, j'ouvre ça, je masque ça et je vous emmène sur mon écran. Donc la raison pour laquelle je vous emmène sur mon écran aujourd'hui, oh, comme d'hab, euh, parce que c'est toujours sympa de pouvoir vous retrouver, et eh bien c'est aussi parce que sur la chaîne YouTube Adobe France, vous êtes désormais 70 000 abonnés. Donc euh, 70 000 ça fait plaisir, ça veut dire que vous nous suivez et que vous arrivez à trouver du contenu. Tout ça n'aurait évidemment pas été possible sans les nombreux invités qu'on a pu recevoir au fil du temps. Euh, vous avez sans doute euh, vous avez sans doute pu participer aux sessions Best of Max, sur lesquelles on est revenu. Avec différents artistes euh, sur les nouveautés des applications, à l'intérieur des applications, la manière de travailler, etc., dans tous les domaines de création. On a travaillé avec vous sur des tutoriels pour pouvoir prendre en main vos applis, que ce soit de la photo, de la vidéo, du design, du graphisme. On a eu l'ensemble des contenus sur Adobe Live, sur énormément des applications du Creative Cloud, des usages divers et variés, des artistes récurrents qui continuent de travailler avec nous. Donc je pense à Aurore B et Laura Lhuillier qui seront avec nous pour du dessin cet après-midi euh, à 14h, je pense à Atom qui est avec vous tous les jeudis, je pense à Jérémy Claes qui a commencé une série de plusieurs vidéos, et puis euh, toutes les masterclass avec des artistes que vous avez pu suivre depuis très longtemps, que ce soit nos séries Art and Talk avec des illustrateurs de renom dans le domaine du concept art, du jeu vidéo, etc. Donc vous aviez tout ça. Et tout ça c'est accessible pour tous euh, gratuitement sur la chaîne YouTube Adobe France euh, n'hésitez pas à hein, le bouton abonnement doit se trouver quelque part sur cette chaîne, je vous laisse le retrouver. Et puis vous savez sans doute aussi que si vous saisissez Beyonds.net slash live slash fr, et bien vous allez retrouver le live du jour, évidemment, regardez c'est moi. Euh, on ne voit rien du tout à ce que je partage. Mais c'est pas grave, donc vous allez retrouver le live du jour et vous allez retrouver aussi euh, ce qui sera intéressant, et eh bien l'ensemble des éléments dont je vous ai parlé graphisme, photo, illustration, etc. Donc vous aurez accès à tout ça, vous aurez moyen de retrouver les précédentes sessions, n'hésitez pas à glisser euh, si vous êtes photographe, aujourd'hui je le suppose, et eh bien vous pourrez retourner, euh, retrouver différents euh, contenus. Il y en a plein, il y a plein de choses à voir, plein de choses à regarder, euh, il y a tous les thèmes qui peuvent vous intéresser, et si vous le souhaitez aussi et eh bien je vous convie euh, je vous remettrai tout à l'heure le lien du discord en français puisqu'on a un discord pour la chaîne euh, pour les Adobe Live notamment où vous retrouverez les différents liens au fur et à mesure vous retrouverez toutes les tous les design feedback le chat euh, général pour échanger avec les artistes etc donc n'hésitez pas à venir nous retrouver aussi donc, premier point du jour, on est à so vous êtes 70 000 avec nous et ça, c'est plutôt cool. Deuxième point important, si je euh, cherche, justement parce qu'on nous demande souvent sur le Creative Cloud, euh, comment est-ce qu'on va pouvoir euh, trouver les applications, les abonnements et comment est-ce que ça marche. Vous le savez sans doute, euh, cette semaine, ils ont... Alors, attendez, j'aurais dû accepter le petit message qu'on m'a... Aurait... Fait passer au milieu. On va aller sur le site en français. Cette semaine, c'est la fameuse semaine du Black Friday. Donc, pour tous les nouveaux abonnés, il y a un, une promotion qui dure un an sur les applications et qui vous permet justement d'avoir accès à tout le Creative Cloud pour un, un, un tarif réduit. Alors, je sais plus si ça fait 40% de l'offre, 60%. Enfin, une réduction de, de 20% peut-être. Je suis nul en maths euh, le matin, comme ça au réveil. Euh, toujours est-il que vous avez accès à ça et que ça peut valoir le coup et ça dure jusque la fin de la semaine. Donc ça, ça peut être un petit point important. Et oui, un petit peu de, de retape commercial, mais on est là justement par rapport aux outils, par rapport aux usages. Donc je voudrais pas que vous le ratiez et que vous soyez déçu là-dessus. Euh, C'est disponible aussi. La semaine dernière, par exemple, il y avait encore une offre sur le Creative Cloud pour la photo qui s'est terminée relativement vite. J'espère que vous avez eu le temps d'en profiter. Voilà. Euh, L'autre point, c'est qu'aujourd'hui, on va parler de Lightroom. Et quand on parle de Lightroom, il y a plusieurs manières de l'aborder. Alors, soit vous tapez Lightroom dans votre navigateur, il va vous emmener sur le site d'Adobe. Qui vous prévient d'ailleurs Tiens, il y a le Black Friday qui est là sur le site sur le site Adobe.com. Moi ici, je vais aller chercher, euh, je vais aller chercher directement le produit Photoshop Lightroom et je vais aller chercher le produit Photoshop Lightroom classique. <coughs> Pourquoi Lightroom classique eh Bien, tout simplement parce que j'ai encore pour l'instant un petit peu plus d'outils à l'intérieur de Lightroom classique qu'à l'intérieur de Lightroom euh, version cloud. Et euh, je sais aussi qu'une bonne partie des professionnels que j'ai pu rencontrer qui sont des gens qui stockent énormément énormément de photos, euh, ont encore les. ont pris le temps d'acquérir les bons réflexes au niveau des sauvegardes des images, au niveau des sauvegardes de leur contenu, au niveau des sauvegardes de disques durs. Pour les gens qui sont plutôt nouveaux dans la photographie et qui se mettent en qui se mettent en route au niveau de au niveau de la photo n'hésitez pas à jeter un coup d'œil du côté lightroom tout simplement parce que du côté lightroom hop on va se mettre ici voilà c'est ici du côté lightroom si vous démarrez vous n'avez pas encore des centaines de milliers de photos d'archives et du coup vous bénéficierez plutôt du fait de pouvoir échanger, passer très rapidement de votre téléphone portable à votre tablette jusqu'à votre ordinateur pour la partie pour les parties développement, partage et vous pourrez euh, évidemment travailler avec vos cartes mémoire comme vous avez l'habitude de le faire ou comme vous allez découvrir hein, si vous si vous démarrez, vous pourrez évidemment compléter au niveau des euh, des, des contenus, vous pourrez évidemment avoir l'ensemble du moteur de retouche qu'on retrouve à l'intérieur eh bien de Lightroom Classique et de Photoshop via Caméra. Donc vous aurez tout ça. Et vous aurez en plus des petits bonus comme le classement des photos. On va se refaire une session prochainement sur le classement des photos, le tri des images. Euh, J'espère qu'elle vous plaira. Elle aura lieu, je pense, d'ici deux semaines. Et on parlera eh bien des différentes nouveautés, etc., etc. Donc il y a pas mal de petites choses que je voulais euh, présenter avec vous sur lesquelles on peut. S'informer, <coughs> euh, continuer de découvrir et continuer de profiter. Au niveau de vos photos. Il y a toujours des nouveautés. N'hésitez pas à regarder les nouveautés sur les pages du site euh, internet Adobe. Ou directement, si vous êtes euh, si vous avez fait votre installation dans le bon ordre, et eh bien vous passez du côté application et vous pouvez regarder, tiens, j'ai des mises à jour à faire, une nouvelle mise à jour d'XD, ça c'est toujours une bo bonne nouvelle, mais comme je suis sur la partie photographie, et eh bien je peux découvrir, découvrir Lightroom, découvrir Photoshop, découvrir Lightroom classique. et quand je en ai besoin et bien vous voyez ici on a en savoir plus et en savoir plus, et eh bien ça va vous permettre de retrouver des cours sur Lightroom de retrouver des cours dans le détail de retrouver aussi, euh, ce que j'aime beaucoup, c'est la fameuse galerie Beyond autour de ce qui a été fait sur Lightroom alors ça n'hésitez pas, euh, c'est pour ça d'ailleurs, hein, tous les gens qui sont avec moi dans le chat du côté euh, du côté Youtube Clément, Alexandre euh, OneUp, euh, n'hésitez pas à regarder au-dessus, je vous ai mis pour la conversation rejoignez-nous du côté Beyoncé parce que vous pourrez, retrouver, euh, vous pourrez retrouver ces contenus, et puis moi, ça me permettra de vous suivre à un seul endroit, et j'avoue que c'est très pratique. Et puis surtout, ça vous permet de découvrir, bien, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion, ça vous permet de rappeler un petit point, un petit point sur les, sur les applications. Hop, on va se mettre du côté Lightroom classique. Où es-tu, Lightroom classique Voilà, ici, on a accès au Creative Cloud pour la photo. Et le Creative Cloud pour la photo, c'est Lightroom et Photoshop qui sont disponibles ensemble, vous pouvez choisir, si vous êtes un nouveau photographe, de vous focaliser sur Lightroom uniquement avec un terrain de stockage. Mais si vous avez l'habitude de travailler avec Photoshop pour vos retouches, où vous allez vous rendre compte que vous pouvez en avoir besoin, regardez la version Creative Cloud pour la photo. Il y a 20 Go de stockage, c'est pas énorme, mais ça vous permet de faire une bonne quantité de travail déjà. Et par contre, ce qui sera intéressant, c'est que vous aurez accès à la fois à Lightroom, mais aussi à Lightroom classique, et à Photoshop pour la partie retouche. Et le point sur lequel je veux absolument insister, toujours un peu lourdement, mais vous commencez à avoir l'habitude, c'est qu'en plus de vos applications classiques, euh, Lightroom, Photoshop, etc., vous allez avoir les applications qui sont Adobe Spark. Euh, Spark, on s'est fait une session il y a deux semaines là-dessus. Vous pourrez redécouvrir comment poster sur les réseaux sociaux, comment préparer des projets qui soient, euh, soit, eh bien, des... Euh, Pardon, soit des contenus qui seront des pages web, soit des contenus qui seront des versions illustrations, pouvoir faire des posts réseaux sociaux directement à partir de vos photos, soit même faire des petites vidéos, soit faire des petites, euh, des petites pages de contenu, vous voulez faire un journal à partir, de vos, à partir de vos images, vous allez retrouver tout ça. Et dans les contenus, vous aurez à la fois des stories, des éléments en images fixes, mais aussi des animations. Ça, c'est le tout petit rappel du du matin parce que euh, j'ai croisé encore ré récemment un photographe qui me disait ah, je savais pas qu'on pouvait faire tout ça avec et ça aurait été dommage de passer à côté en tout cas il était ravi et il s'est lancé dessus euh, dans la foulée l'autre point qui va être important pour vous et c'est pour ça que je vous emmène sur biance c'est que avec votre Creative Cloud, vous avez accès à Adobe Portfolio. Et si vous avez accès à Adobe Portfolio, ça veut dire qu'à partir de vos propres images, euh, comme je l'ai fait par exemple, alors vous allez voir, j'ai un profil Beyond, ce qui n'est pas du tout un profil photo, c'est plutôt un profil dessin, et les rares éléments photos sont des éléments qui me viennent du contenu, euh, du contenu euh, food. Et par contre, ce qui va être intéressant pour moi, c'est que les contenus que j'ai préparés, j'y ai accès et je peux les transférer sur mon portfolio. Et ce portfolio, eh bien, je peux le voir sur euh, portfolio la première fois que je me connecte je vais pouvoir le retrouver là-dessus et puis je vais pouvoir aller le voir en ligne et donc on va pouvoir mettre à jour le site on va pouvoir compléter on va pouvoir trouver des thèmes de travail qui me permettront de mettre en valeur mes photos mes illustrations ici très clairement on est en très très grand sur les photos peut-être que je vais souhaiter le voir différemment je peux tester tout un tas de trucs c'est pas le sujet du jour mais je voulais rappeler à tout le monde que les formules Creative Cloud pour la photo c'était ça et si en plus vous êtes euh, graphiste ou autre, eh bien n'hésitez pas à en profiter, il y a des promos en ce moment, il y a 20% sur le Creative Cloud, euh, il y a encore des promos entreprises et autres. Si vous êtes graphiste, tout ça c'est pour vous et c'est jusqu'à la fin de la semaine, donc ne ratez pas cette offre. Voilà. <laughs> des pannes de réseau qui installent, ils installent la fibre. Ah ben bon courage, les pannes de réseau, c'est la pire chose qui puisse arriver de nos jours euh, quand on n'est pas trop trop mobile. Voilà pour la partie euh, retape importante. Euh, ce qui me semble important pour vous aussi, c'est de bien voir les nouveautés des applications. Donc, nouveautés dans Lightroom classique, on pourra parler des nouveautés de la couleur, on en a un petit peu abordé euh, quelques-unes lors des sessions best of max. On pourra parler de la retouche rapide grâce aux performances. Je vais jamais vous pouvoir vous montrer ça parce que euh, vous verrez pas la différence entre du avant-après sur la même machine, mais. Il y a plein de choses qui sont optimisées de plus en plus dans les diverses applications. Vous pourrez retrouver des nouveautés, évidemment, comme régulièrement sur les appareils, les objectifs, etc. Et vous aurez moyen de retrouver donc euh, le, le travail sur le zoom de vos photos. Donc ça, ça vous, va vous faire gagner du temps, mais on va le voir tout à l'heure. Maintenant revenons au vif du sujet, au cœur du sujet. Je reviens à l'intérieur de Lightroom et à l'intérieur de Lightroom classique, eh bien, je vais prendre une photo. Cette photo d'ailleurs... <laughs> On va rester un peu dans le thème, ce n'est pas une photo de moi. Je vais d'ailleurs regarder dans les informations de bibliothèque autour de cette photo. Je vais regarder dans les informations de mots-clés et de métadonnées. C'est bien une photo qui vient d'Adobe Stock. Elle, vient, elle a été tirée par Pavel Kassak. Euh, je ne sais plus si précise exactement où ça a été tiré. Toujours est-il que cette photo, eh bien, elle est disponible euh, via stock.adobe.com/fr. Vous pouvez rechercher des photos quand vous avez besoin. Là, j'avais envie d'avoir une photo de montagne un peu détourée. Voilà, hop, montagne, paysage. Et j'ai pu retrouver tout ça. <laughs> La raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui spécifiquement parce que je sais que j'ai des photographes dans l'assistance, c'est que lorsque vous avez des photos, n'hésitez pas à regarder ici. Vous pouvez non seulement acheter des photos, mais vous pouvez vendre vos propres photographies. Donc euh, regardez un petit peu comment ça se met en place. Petite question, qui. Il reprend son abonnement à moins 20%. Est-ce que c'est à vie ou c'est pendant un an Non, a priori c'est pendant un an, Benjamin. Je sais, il y a toujours un petit peu ce petit, euh, ce petit doute sur comment ça se met en place. Non, c'est des promotions qui sont temporaires, euh, et qui permettent eh bien, de travailler avec les. avec les... les artistes et de continuer à profiter des contenus. Ouais. C'est pour un an. Après, euh, bah, n'hésitez pas à regarder, il y a tout un tas de discussions sur les réseaux sociaux, sur la manière dont ça fonctionne euh, pour, euh, pour compléter tout ça. Donc quand vous avez une image qui vous plaît énormément, eh bien vous pourrez, enfin euh, vous pourrez vous poster vos propres images, et euh, si par contre vous avez besoin d'images pour travailler... Petite info, Adobe a sponsorisé des artistes euh, durant toute l'année euh, sur ce qu'ils ont appelé le Community Release Fund, donc le fonds pour euh, soutenir la communauté. Et euh, ces photos, ces illustrations, ces vidéos ont été achetées par Adobe pour être mises à disposition des utilisateurs Creative Cloud. Donc je vais voir si on a des photos de montagne dans les formats gratuits. Vous voyez qu'on a des photos qui sont vraiment cool, euh, qui euh, sont hyper intéressantes hyper belle avec une licence qui est disponible et si jamais je trouvais pas mon compte et que j'en avais besoin pour un projet pro et eh bien je pourrais sans aucun problème trouver parmi les 11, 11 472 000 autres photos euh, la photo qui me plaira le plus Donc ça c'est tout à fait possible ok Benjamin, c'est marqué quelque part. C'est directement marqué sur la page d'après. Quand j'ai une offre comme ça avec une, un code promo, je peux lui demander ici de bénéficier de la remise. Je souhaite en savoir plus. Et si je souhaite en savoir plus, il va me donner les infos sur la... Il va me donner les infos sur la formule. Attention, je suis en train de me prendre les pieds dans le tapis, mais je vais y arriver quand même. Euh... <laughs> Il va me donner les infos sur la formule et sur toutes les offres spéciales. Donc, ça, c'était la page d'où je viens. Je sais que ça existe. Tout à l'heure, quand j'étais sur les plans, j'avais cette info. Donc, euh, c'est pas grave. Creative Cloud, plan, voilà. En français. Et normalement, il doit me donner les conditions de l'offre euh, pour en savoir plus. Voilà, euh, c'est une offre de moins 20%, etc., avec pas mal de petits trucs. Et l'année prochaine, vous repassez en tarif normal. Voilà, les conditions de l'offre sont ici. Voilà. Vous avez tout. Donc, tout est euh, donné. Ce n'est pas forcément la meilleure organisation, mais euh, promis, c'est écrit et vous pourrez retrouver tout ça. Ok <laughs> Voilà, c'était une info importante, je pense que ça peut servir. Il y a une petite astérix qui dit que c'est que c'est sur la première année. Voilà. Donc c'est bien, c'est pas que moi. <laughs> Effectivement. Euh, bien, donc une fois que tout ça est vu... On retourne dans Lightroom et je vous ai promis du détourage et du développement. On va le faire ici euh, en général. Ouais, quand je passe dans du développement, là je suis sur une photo qui a déjà été développée donc honnêtement, j'ai quasiment plus de travail à faire. Je n'oublie pas quand j'en ai besoin que je peux passer sur des paramètres prédéfinis et je peux les voir en aperçu soit très rapidement ici dans mon panneau de navigation. Euh, je vais voir, tiens, mon contraste chaud, qu'est-ce que ça donne, etc. Et je vais pouvoir du coup appliquer mes paramètres prédéfinis. Il va y avoir un point qui va être important aussi pour vous en, en termes de développement dans Lightroom c'est qu'on va pouvoir choisir aussi des traitements traitement couleur par exemple ou noir et blanc directement et quand je vais choisir un traitement je vais pouvoir voir ce qu'on appelle les profils et je peux cliquer ici pour voir différents profils qui sont euh, qui sont accessibles et dans les différents profils je vais avoir les réglages de base monochrome ou couleur mais je vais avoir aussi des profils qui seront plutôt artistiques qui seront plutôt euh, hop, on va descendre un tout petit peu, des vintage, des modernes, etc. Et si jamais j'ai un profil qui me plaît plus qu'un autre, parce que je trouve qu'en termes de rendu, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'aime bien ce côté un peu éteint, un peu passé. Bon, peut-être pas. Euh, voilà, celui-ci me plairait pas mal pour aujourd'hui. Eh bien, quand je vais utiliser ce profil, je peux, lui pr je peux prendre la petite étoile qui est là. Et quand j'ai une petite étoile, du coup, eh bien, je vais voir euh, les différents profils parmi mes favoris. Et du coup, j'aurai bien le profil couleur, monochrome, et mon moderne 08. Et ça me permettra très rapidement de l'appliquer. Quand je vais terminer mon placement de profil, eh bien je peux choisir soit le profil est appliqué à 100 à 200%, donc vous voyez qu'on a une vraie, un vrai changement de couleur. Soit au contraire il va être appliqué de manière très légère. À moi de choisir ce genre de réglage. Ce qui sera intéressant là-dedans, c'est que quand j'ai choisi un profil parmi les différents profils qui me sont proposés, et eh bien vous voyez que les réglages ici de mes corrections ne sont pas affectés. Et ça, c'est hyper important pour tous les gens qui ont besoin justement de travailler sur leur image. Ici, si je regarde par exemple, euh, je veux placer du, du Instant, Instant Vintage, et eh bien là, je suis sur un paramètre prédéfini et je ne suis pas sur un profil. J'ai bien changé certains réglages, certains paramètres de mon image. Donc on va pouvoir justement faire la différence entre un profil qui retouche les couleurs de votre image de manière générique et un paramètre prédéfini qui va affecter quelques curseurs dans votre développement. C'est bon pour tout le monde ça Hop Oui, je vois que ça discute beaucoup des abonnements. C'est un peu la semaine pour ça, donc profitez. <laughs> L'autre point qui va nous intéresser là-dedans, c'est que quand j'ai fait mes retouches, je peux faire mes retouches de manière globale. Donc ça, c'est ce qu'on vient de mettre en place. Le développement ici, les premiers paramètres que je retrouve sur le côté, eh bien, ce sont les paramètres de réglage de base. Ce qui m'intéresse par la suite, c'est que les paramètres en question, eh bien, je vais pouvoir refermer tout ça. Je vais d'ailleurs pouvoir faire un contrôle clic dessus et je vais pouvoir personnaliser ce panneau de développement. Ça, c'est des petits détails. Mais si vous n'utilisez jamais euh, le color grading, eh bien pourquoi pas le masquer Ou au contraire, si vous l'utilisez tout de suite, pourquoi pas le mettre au dessus Parce que vous savez que vous allez vous en servir très souvent. Vous utilisez l'étalonnage pour vos boîtiers. Pouf, vous le mettez tout en haut, et vous l'appliquez dès le départ sur vos images. D'ailleurs, si vous voulez aller encore plus vite, alors on fera un redémarrage plus tard, si vous voulez aller encore plus vite, vous pouvez aussi préparer un paramètre prédéfini sur vos images et l'appliquer dès l'importation de ces images. OK OK. Donc moi, je vais continuer là-dedans. On a vu comment préparer la photo. Et faire un développement général pour retrouver une ambiance générale de notre image. Maintenant, j'ai envie de mettre un peu en exergue mon personnage ici. Et c'est là que le masquage va être important. Alors, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on allait avoir un nouveau dans les nouveautés de Lightroom. On a du zoom euh, ici en entourant. Commande, clic, va me permettre d'entourer une zone. Euh, je vais pouvoir faire mon zoom. Avec la barre d'espace, je vais zoomer et revenir sur ma forme. Commande, clic, on va zoomer autour d'un élément qui nous intéresse. Et je vais avoir aussi majuscule qui va me permettre de zoomer de plus en plus précis. Donc c'est ce qu'on appelle les zooms euh, scrubby, donc au glissement. On va je vais tirer le zoom là-dessus. Ok donc, euh, une fois que j'ai fait ça, je me dis oui, en fait c'était cool d'avoir ce développement, mais je travaille pour la marque de ce manteau là et j'ai envie de la mettre en exergue. Et bien, dans ce cas là, on va aller chercher des retouches de masquage qui vont être faites au pinceau. Alors, retouches au pinceau, en général, la manière dont je le présente, c'est que j'ai tendance à dire ben voilà, on va pousser à fond les sliders, comme ça vous allez voir, les curseurs, pardon, comme ça vous allez voir exactement où ça va avoir lieu. Si maintenant je donne un coup de pinceau, là vous voyez le changement de température, de teinte et d'exposition, et du coup vous voyez très clairement où j'ai fait mon ma retouche. Dans la vraie vie, c'est peut-être pas ce que vous allez souhaiter faire. Ici, on va peut-être le se mettre en place là-dessus, pour pouvoir démarrer. Quand je commence à faire le détourage de ce personnage, vous voyez que j'ai un pinceau basique. Je travaille, et ça c'est un choix perso, moi je suis sur une Wacom et du coup je suis au stylet, donc je peux travailler sur la pression, je peux appuyer plus fort, plus ou moins euh, de manière plus ou moins épaisse dessus, pour pouvoir revenir et puis de manière plus ou moins précise. Mais quand je fais ça, au final ça veut dire qu'il va falloir que je travaille beaucoup sur mes coups de pinceau. Euh, je vais peut-être avoir besoin d'ailleurs, dans ce réglage, je vais pousser la saturation à fond pour pouvoir retrouver de la couleur sur ma veste. Ça, ça peut m'intéresser. Je vais pouvoir faire le réglage de teinte. On va pouvoir faire tout ça. Mais euh, ce qui moi m'intéresse avec vous aujourd'hui, c'est de me dire que... Ce réglage, on va aller le pousser ici volontairement, on va aller changer un petit peu la teinte de la veste, on va augmenter la saturation, on va peut-être même teinter cette veste parce que j'avais peut-être une euh, j'avais peut-être une couleur particulière dans le contenu que je voulais rajouter. Et bien ce réglage là, je vais pouvoir le faire de manière soit directe, soit hop, je vais bouger un tout petit peu comme ça, on va pouvoir zoomer. Oui. On va pouvoir zoomer sur la page. Voilà. Soit direct, soit je vais pouvoir régler mon pinceau. Et quand je vais régler mon pinceau, je vais lui demander à l'intérieur de Lightroom de travailler le masquage automatique. Le masquage automatique, en fait, il va permettre. Regardez, euh, je vais le faire sans. Vous l'aviez vu tout à l'heure. Quand je fais sans masquage automatique, bah évidemment, je rajoute de la lumière ici. J'aurais voulu faire uniquement dans la veste, mais finalement, ça s'est retrouvé atténué un petit peu partout. Je peux aussi, et hop, on va régler ça, je vais virer l'expo, comme ça on verra juste la partie couleur, voilà. Je peux aussi lui demander de faire le masquage automatique, et là ça devient presque magique, parce que regardez bien, là cette fois-ci, Lightroom ne va pas déborder. Il va aller, il va se rendre compte qu'il y a des changements de contraste dans ma couleur, il va se rendre compte que je touche certains éléments et pas d'autres, et il va pas aller s'amuser à me changer les couleurs des éléments qui ne sont pas compris dans ma retouche. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique parce que du coup, je peux effectivement retoucher le, le manteau, je peux retoucher la capuche sans avoir à faire le masquage manuel. Est-ce que ça vous va, ça euh, Toujours en discussion là-dessus. À terme, est-ce que Lightroom classique ne va pas disparaître au profit de Lightroom C'est une question que je me pose euh, de plus en plus, surtout avec l'arrivée des documents en ligne. Bien, je ne sais pas, bref de jeu. Honnêtement, je ne sais pas parce que l'intérêt... Pour moi et pour les utilisateurs de Lightroom classique, c'est justement de se dire que l'application vous permet, vous donne accès, en fait, au réglage de vos disques durs, à vos choix de sauvegarde. Donc, idéalement, je dirais, ce serait malin de conserver cette application-là parce que je la trouve assez pertinente. Maintenant, j'ai pas de. Je ne peux pas vous dire, voilà, dans les 2-3 prochaines années, on est très bien comme ça, et c'est très fonctionnel. Après, si l'ensemble des fonctionnalités de Lightroom euh, Cloud suffisent aux utilisateurs, eh bien, pourquoi pas euh, n'avoir qu'une seule application? Moi je trouve que pour l'instant, l'intérêt, c'est Lightroom version cloud. Et fonctionnel pour pouvoir passer du smartphone à la tablette, pour pouvoir stocker les documents en ligne, pour ne pas avoir à penser à son disque dur. Maintenant, euh, pour l'instant, c'est pas encore suffisant pour tous, donc on a les deux options. Voilà. Mais perso, je pense pas. Hein. Et Greg me confirme derrière, effectivement, il est plus adapté. À des grands catalogues de photos. On est d'accord dans Lightroom Classic il est plus complet que la version Lightroom Cloud. Alors Sébastien, c'est pas tout à fait vrai. Euh, Lightroom Classic est plus complet, était plus complet au départ, puisqu'il avait euh, les, euh, pour lui les modules de cartes qui me permettent d'identifier où ont été tirées euh, les différentes photos de ma collection. On va dézoomer hop. Voilà, quand j'ai des, des photos dans mon album, alors là visiblement, dans. Voilà. Quand j'ai des photos sur mes, sur mes albums, je peux les voir et ça j'y ai accès directement via le module de carte. Euh, Lightroom Classique me permettait d'avoir, me permet toujours d'ailleurs d'avoir le module de livres, pour pouvoir poster mes propres photos et pour pouvoir générer des livres euh, à la fois sur Blurb ou tout simplement au format PDF si j'ai de quoi les imprimer. Euh, Lightroom Classique me permet de générer des diaporamas avec musique, etc. Euh, de pouvoir fabriquer tout ça directement, avec pas mal de petites options. Euh, on a des options autour de l'impression dans Lightroom classique qui sont assez cool. Je pense notamment, et on l'a présenté dans différentes sessions, à des photographes professionnels qui doivent tirer eh bien, plusieurs versions de la même photo à partir de modèles personnalisés, à partir de modèles prédéfinis, etc. Pour euh, avoir ici, hop, je veux un hein, deux photos de 7 par 5, eh bien, je vais les retrouver facilement et je vais pouvoir très rapidement un photographe éditer les photos dont j'ai besoin les photos que je souhaite euh, que je souhaite euh, travailler ok est ce que ça vous parle plus Hop, importation précédente on va revenir là dessus donc voilà pour l'instant il y, y avait ça en plus dans lightroom classique par contre dans lightroom euh, version soit euh, soit sur le bureau ici vous voyez j'ai mon lightroom qui est pas lancé qu'on va lancer tranquillement euh, je vais avoir des options de partage qui vont être plus intéressantes parce que les options de partage de Lightroom, comme les photos sont déjà en ligne, en fait, le moteur travaille pour vous en arrière-plan. J'ai un dossier de travail. Alors certes, c'est pas des photos, ce sont des illustrations, mais je peux lui demander ici petit plus d'inviter des utilisateurs, de personnaliser la manière dont ça va être présenté, etc., etc. Donc ça, ça va pouvoir être un, une, un, un autre avantage du Lightroom, euh, du Lightroom version cloud. Et puis autre point c'est qu'il est version cloud. C'est-à-dire que quand je viens sur mon navigateur et que je tape lightroom.adobe.com, et eh bien je vais me retrouver dans Lightroom. Hop, je vais masquer tout le reste, comme ça vous allez voir, hein, je suis bien dans mon navigateur. Euh, je vais retrouver dans Lightroom. Toutes les photos, je vais retrouver dans Lightroom tous les albums que j'ai commencé à traiter. Ce qui fait que si j'ai commencé à traiter un sujet particulier et je veux retrouver ce sujet, eh bien, j'y ai accès en ligne et j'y ai accès de n'importe où, même si je ne suis pas sur ma machine. Toutes mes photos sont sauvegardées ici. Si ma machine prend feu ou explose en direct, ce serait pas mal comme effet, mais on va éviter. Et eh bien, j'ai quand même accès à mes photos, j'y ai accès à nouveau, je peux à nouveau les partager, comme on venait de le voir. Je peux à nouveau demander là-dedans de générer un diaporama. J'ai certains dossiers que j'ai déjà partagés. On va retrouver par exemple ce dossier food. Et eh bien j'ai sur ce dossier, comme il est partagé, j'ai une URL. Et cette URL me permet, alors... Vu que c'est mon compte d'ajouter des photos, mais je peux aller en soirée et je peux lancer un diaporama à partir de mes images. Donc par exemple, ça, on est tout à fait capable de le faire. Et c'est des petits plus à l'intérieur de Lightroom en ligne. Donc à vous de voir justement comment on met ça en place. Aujourd'hui, par défaut, on voit que Photoshop, XD, les autres font l'enregistrement direct des documents en ligne. Ouais, carrément. C'est des... une nouveauté parce que aussi, les connexions des uns et des autres le permettent. Allez, trêve de discussion, revenons à Lightroom euh, classique. Donc ici j'ai réalisé... La mise en place de mon contenu. J'ai réalisé ma première retouche, donc je me mets bien en mode développement. J'ai bien le, la retouche perso là-dessus. On a vu d'ailleurs qu'on avait moyen maintenant de faire du changement de teinte sur le, sur le contenu. Donc je peux tout à fait prendre par exemple la, cette couleur et je peux lui dire bah Ouais, mais en fait j'aimerais bien glisser un tout petit peu, peut-être un petit peu plus rouge. J'aimerais bien qu'on travaille un peu sur le réglage fin là-dedans sur cette pastille. Si je sélectionne pas ma pastille ça va pas marcher voilà donc je vais pouvoir prendre ma pastille on va pouvoir modifier la pastille existante et on va pouvoir changer euh, changer les températures changer un peu l'expo redonner un petit peu euh, dans les hautes lumières Vous voyez regardez je sais pas si c'est visible sur la version web euh, sur le, le navigateur j'avais Beaucoup de lumière, très cramée, très dense. Je peux lui demander de rattraper de la matière et de retrouver ça. Et tout ça, ça s'est fait en automatique et en masquage, donc en sélection sur la couleur. Ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. Maintenant, il va se passer autre chose. C'est que sur mon image, j'aimerais bien peut-être récupérer toute la partie du ciel. Or, vous avez vu, je suis allé retoucher son manteau. Je suis allé euh, trouver en fait le, le, les bons réglages en termes de lumière pour avoir quelque chose dessus. J'ai pas envie de me faire des masquages si compliqués sur le reste de l'image. Eh bien, je peux lui demander. Toujours ici, on va aller se créer un, un nouveau réglage. Et le nouveau réglage, en fait, on va le faire non plus avec un masque de, avec un masque de automatique mais on va aller chercher ici ce qui s'appelle le masque de gamme par défaut le masque de gamme il est euh, pas défini j'ai pas encore fait mon, mon contenu là je vais attraper un peu tout ce monde là je' vais faire un grand coup de nettoyage dessus et vous avez vu que j'avais attrapé à la fois de la montagne et à la fois du caillou du coup mon caillou mon manteau etc tout ce petit monde là se retrouve avec la même retouche et eh bien, je peux lui demander ici d'aller euh, en plus du masquage automatique d'aller gérer un masque de gamme. Et j'aimerais bien qu'on travaille sur la couleur. Et j'aimerais bien lui dire sur la couleur je vais prendre cette petite pipette et je vais lui dire on va travailler ici sur les tons bleus. Et là, vous vous rendez compte que tout ce qui était là a été immédiatement exclu de ma retouche. J'aimerais bien récupérer ici un petit peu du blanc là-haut. J'aimerais bien retrouver un petit peu tout ce contenu là dedans. Donc ici, je pioche et je récupère la retouche à cet endroit là. Si je veux mettre plusieurs zones, eh bien je vais utiliser la touche majuscule. Donc là, je prends une zone foncée, une zone très foncée, une zone plus claire dans les tons neige euh, pour pouvoir y avoir accès. Et je vais voir si avec la touche Alt, je vais pouvoir lui demander d'exclure cette zone de couleur. On va voir justement si c'est pertinent. Et là, j'ai bien un réglage, j'ai bien un masquage qui a été fait de manière automatique, et ce masquage automatique, donc on a travaillé sur toute cette zone-là. On a exclu directement l'élément euh, de montagne qui est ici. Je vais peut-être lui demander petit plus de rajouter des zones de montagne. Alors faites attention, vous êtes limité, si je dis pas de bêtises, à 5 zones. Mais vous pouvez aussi faire petit plus et glisser toute une zone. Ici, j'ai envie d'attraper toute cette zone-là. On va rattraper cette zone-là pour pouvoir rattraper toute une zone rectangulaire de couleurs. Et donc, on va pouvoir compléter éventuellement. Je peux reprendre mon élément et je vais peut-être enlever des éléments là-dedans. On va peut-être désélectionner un petit peu. Pardon, on va prendre celui-ci et désélectionner un peu. Check. Pour pouvoir retrouver un bout de montagne un petit peu plus propre. Toujours est-il que moi, la partie qui m'intéressait réellement là-dedans, eh bien, elle a, été, euh, elle a été mise à jour directement. On va augmenter la taille. Voilà. On va effacer un peu de montagne ici. Et puis on va rajouter de la montagne, mais avec du masquage automatique. Tac. Pour qu'il aille nous piocher uniquement les éléments qui nous intéressent ici. Et donc j'ai exclu complètement cette partie là, uniquement par la couleur ok euh, tiens en passant, est-ce qu'on a des infos sur la mise à jour de la suite CC pour les processeurs M1 euh, Daniel, ouais elles sont disponibles en ligne, pour l'instant j'ai pas encore de, de réglage là dessus euh, dans Photoshop, édition, préférence, configuration avancée de Camera RAW, est-ce que ça va être abordé euh, je vais regarder avec vous, je sais plus à quelle version je suis dans mon Camera RAW Ça sert aussi pour biance, je vérifie tout ça... Ouais, ok. Bon, je, je me rends compte que qu'il y a plein de petites questions que j'ai pas vu passer. Et Sébastien me dit, ok, j'ai vraiment l'impression que l'interface cloud est plus aspect... Je sais pas comment dire, les icônes, est plus simple. Alors, forcément, on est sur Lightroom classique, sur une appli qui maintenant, en fait, c'est 10 ans. Donc 10 ans, c'est pas mal, euh, c'est un peu moins que la fille de Daniel, mais ça, c'est pas grave. Euh, c'est surtout un, un outil qui évolue avec son temps et dont l'interface évolue aussi beaucoup avec les besoins des photographes. Si je prends effectivement mon interface Lightroom, on va aller chercher, euh, on va aller chercher quoi Hop, je vais aller chercher des photos à moi ici. Non, c'est pas moi cette photo-là. On va aller chercher des photos de robots. Et quand je regarde mes photos, mes paramètres de développement, au final, effectivement, je vais retrouver les mêmes réglages que ce que j'ai ici, sauf que ben, les curseurs sont plus grands, les curseurs sont plus adaptés. Si jamais on passe sur une version en ligne, etc., bien on va avoir le euh, la correspondance de l'un à l'autre. Ce qui vous intéressera d'ailleurs, et je vous avais dit, on va pas forcément faire du Lightroom, euh, du Lightroom euh, Cloud aujourd'hui, c'est que si je prends mon pinceau de retouche et que je décide d'aller, euh, par exemple, sélectionner cette zone-là. Et je vais lui dire qu'on va baisser la saturation. Et eh bien, le, la, la diminution de la saturation là-dessus va me permettre d'avoir accès eh bien, à des réglages, des réglages fins. On va pouvoir nettoyer un petit peu tout ça. On va pouvoir enlever des éléments de retouche. On va pouvoir euh, baisser ici une exposition, etc. On va retrouver une partie de tout ça. Et on va retrouver justement les notions, euh, de, les notions de, de nettoyage, de masque, etc. On pourra retrouver tout ça on pourra retrouver le masquage automatique si on en a besoin on pourra retrouver le débit etc donc il y a plein de petites choses qui vont qui sont déjà présentes aussi à l'intérieur du lightroom cloud c'est juste une question d'interface juste une question de mise en place et on peut supposer que les éléments d'interface qui sont présents ici finiront par se retrouver de l'autre côté à l'intérieur de Lightroom quand on aura trouvé le bon, le bon réglage le meilleur réglage en fait pour vous pour que vos, vos corrections eh bien, soient les plus efficaces alors j'ai viré la surex c'était sympa mais c'était évidemment pas ce que je voulais euh, pas ce dont j'avais besoin et par contre eh bien je peux me servir de ça pour par exemple changer la teinte dans mon image et là je la change de manière très progressive et je peux faire soit un changement brutal en général, vous ne faites pas des changements brutaux comme ça. Soit je trouve ma teinte, euh, la teinte qui me correspond le mieux, et je vais cliquer sur utiliser un réglage fin pour aller peut-être un petit peu plus en subtilité, un petit peu plus en nuance. Et pareil que tout à l'heure, je peux choisir de prendre les ombres et de rajouter soit de la lumière si j'en ai besoin, soit au contraire densifier tout ça, soit éclaircir les tons sombres redonner de la lumière à l'image soit au contraire densifier pour retrouver sur l'ensemble de l'image ou sur certains réglages et eh bien les, euh, les petits points de retouche qui seront importants pour moi ok quand je passe de l'un à l'autre, j'ai du mal à retrouver mes automatismes. Ah oui, c'est il y a une question d'habitude, hein, Sébastien. C'est forcément. Moi, j'ai plus tendance maintenant à travailler sur la version Lightroom Cloud, euh, parce que je sais que j'y ai accès sur le téléphone dès que j'en ai besoin. Tiens, bonjour Stéphane. Merci pour le lien pour Photoshop et M1, donc les nouvelles puces Apple. Euh, pour le reste, ils travaillent dessus, en sachant que pour l'instant, Rosetta permet de faire tourner les applications. Bienvenue. <laughs> Donc voilà ce que j'avais pour vous sur la première partie de détourage. Euh, un autre point, enfin de masquage en tout cas, masquage et sélection. Un autre point qui sera utile pour vous, c'est qu'en termes de masquage et de sélection, on va avoir une autre manière de masquer des photos. Euh, de masquer à l'intérieur, pardon, de photos. Je vais repartir sur mes photos ici. On va trier les photos, check, par ordre de capture à l'envers. On va revenir tout en haut. On va regarder un petit peu... Alors j'ai pas toutes les dernières photos. Euh, hop, on va travailler là-dessus. On va travailler là-dessus parce que euh, c'est pas... important de dire aux enfants qu'il ne faut pas s'amuser avec la nourriture. Une autre manière dont je vais pouvoir travailler justement ce que j'appelle le masquage mais en tant que sélection à l'intérieur de mes photos, c'est tout simplement d'aller la travailler dans la partie couleur. Et dans la partie couleur, en fait, on a une autre manière de masquer mais qui est beaucoup plus subtile, beaucoup plus directe pour vous, vous l'avez sans doute déjà aperçu et vous avez peut-être pas fait attention, c'est que je vais pouvoir lui dire, ben voilà j'aimerais bien retoucher la couleur de l'avocat. Sauf que la couleur de l'avocat, ben, si je regarde ici, j'ai du vert foncé qui tire sur le bleu, là j'ai du vert clair qui tire sur le jaune, et du coup il faut que je bouge plusieurs curseurs là-dedans. Et comment je vais savoir quel curseur À moins de faire un masque. Ben, regardez, je vais tout simplement lui dire qu'on va faire un réglage de teinte. Alors je peux lui demander de voir teinte, saturation, luminance, ou de voir les trois curseurs séparés, si j'aime bien avoir cette distinction. Et je peux lui demander de travailler sur ce petit outil. Et donc là c'est sondage du jour. Est-ce que vous utilisez le petit curseur de réglage direct de la teinte Ou le petit curseur, celui que moi j'avais tendance à appeler de correction locale de la teinte. Parce que ici, je vais pouvoir cliquer sur ce curseur et je vais lui dire on va travailler sur la teinte. Et eh bien regardez bien, je vais sur mon sur ma zone et je vais changer la teinte. Alors là, c'est... Si vous avez oublié de mettre les noyaux et que vous avez laissé votre guacamole tourner, bah, il va être comme ça. Si votre guacamole est extrêmement frais, vous allez pouvoir le récupérer et vous allez pouvoir augmenter. Donc là je suis en train d'aller vers le haut, là je vais vers le bas, et je vais changer en fait la maturation de mon guacamole. Je peux faire pareil pour l'espèce de petit poivron qu'on avait utilisé ici, plus rouge. Euh, je peux prendre les éléments d'oignon qui étaient présents, ou d'échalotes, je crois. Etc. Et Donc je vais le faire de manière locale. Et si je le fais de manière locale, ça veut dire que là, effectivement, Lightroom me bouge deux curseurs à la fois. Et il a isolé, il a sélectionné à ma place les couleurs dont j'ai besoin. Ok Ouais. <laughs> Tiens, Thomas O'Brien, salut. Rejoins-nous du côté Biance, tu seras bien avec nous. Ouais, vous l'utilisez avec parcimonie. C'est comme tout. Il y a des cas où c'est pertinent, il y a des cas où ça le sera moins. Euh, là, l'idée, c'est de se dire, ben voilà, -ce, si c'est pertinent, autant s'en servir et autant aller travailler dessus. Et donc, ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est que je peux travailler donc mon image en global. Ici, je trouve que la, le brillant de la bougie derrière va être moins intéressant. Je vais peut-être le prendre et je vais peut-être changer la teinte. Pour l'atténuer, j'ai pas besoin d'avoir quelque chose de doré là-dedans et je vais vouloir diminuer en fait cette sélection là. Et donc si je veux le faire de manière propre, je vais aussi passer là-dedans. Je peux aussi lui demander d'aller prendre mon pinceau de retouche, d'aller peindre là-dessus. Vous, vous savez, hein, tout à l'heure on était allé travailler un peu comme des, euh, des brutes sur, sur le détourage. On va pas retoucher à l'expo, on va pas retoucher euh, au changement de couleur, donc double clic. Pour pouvoir tout retrouver, on va peut-être baisser un tout petit peu la saturation, mais pas trop parce que j'ai pas envie d'avoir une zone noir et blanc au milieu de l'image. Et euh, vous savez que la désaturation partielle c'est toujours extrêmement dangereux. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est que euh, voilà, je vais pouvoir éventuellement teinter tout ça et je vais pouvoir le teinter tout simplement avec l'option de couleur. Moi, c'est une option que je continue d'aimer, euh, c'est pas forcément l'option favorite de tous, mais je trouve qu'elle a ce petit, euh, ce petit point en plus. Je vais, Est-ce qu'il a besoin d'aller chercher toute cette couleur. Non, tout va bien. Donc voilà un petit peu ce que je vais rajouter avec mes masquages. Ça va pour vous Donc masquage et sélection. D'ailleurs, puisque j'en suis là, il faudrait que je vire un peu cette branche qui donne un côté étrange à mon, à ma citrouille. Hop, on va aller virer la branche. On va aller laisser piocher un petit peu plus loin. Voilà, récupérer de la matière. On va faire pareil ici. Tac. On va faire bien attention parce que si je fais pareil, ça veut dire que ici, j'ai un point que je vais essayer de supprimer par la suite pour pas avoir de doublons sur une rayure, sur une égratignure. Je vais peut-être lui faire un peu de chirurgie plastique, tac. J'ai lui laissé le nez. J'aimais bien ce nez. C'était plutôt pas mal. Et voilà un petit peu l'état de retouche euh, assez rapidement. Là, je suis suffisant au niveau de la retouche. J'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Je suis pas en train de faire non plus un catalogue de, de citrouilles. Mais voilà. Du coup, si j'ai d'autres choses qui sont jaunes, ils vont ég également subir le changement. Me dit Corentin. Ouais. Et c'est là que quand j'ai besoin d'aller faire des retouches qui peuvent être plus complexes, si j'ai pas trouvé de retouches qui me convient en termes de masquage avec mon, avec mon pinceau masqué, avec dans le pinceau masqué euh, tous ces réglages-là, que euh, j'ai pas réussi à avoir la finesse qui m'intéresse, ben, je reste dans Lightroom et je peux lui demander ici en termes de bibliothèque de faire un petit clic droit dessus. Je peux lui demander d'aller modifier cette image dans Photoshop. Je peux d'ailleurs. De deux manières. Soit je modifie l'image dans Photoshop, soit je l'ouvre en tant qu'objet dynamique dans Photoshop. Et de toute façon, on va pouvoir travailler là-dessus. Il lui manque des dents. Comment ça, il lui manque des dents euh, Absolument pas. En parlant de cet outil de correction, fort performant, je me suis toujours demandé pourquoi il n'allait pas aussi vite que celui de Photoshop. Hum, je ne sais pas, je trouve qu'il va relativement vite. À vous de voir. Toujours est-il que j'ai pris mon image, je l'ai envoyée dans Photoshop. On va voir... Euh, je vais passer dans Photoshop là. On va lui appliquer le même profil et tout le monde est ici. Euh, on va pas faire ça. On va revenir là-dessus. Lightroom. Clic droit, modifier dans Photoshop ou dans une autre application. Mais en général, quand vous avez le contenu, vous allez pouvoir travailler là-dessus. Un profil qui ne correspond pas à l'espace de travail RGB. Incorporer le Pro Photo. Espace de travail. Ah oui mince, je suis sur le profil de la machine là-bas. Ça va être bien. Ça va être sympa. C'est beaucoup plus terne. Je suis très très triste. Je suis extrêmement triste. Mais c'est pas grave. Est-ce que je peux lui attribuer un profil qui m'intéresse Voilà. Euh, N'hésitez pas à récupérer les profils si euh, Photoshop a décidé de faire des siennes, enfin si le passage de l'un à l'autre ont décidé de faire des, des leurs. Euh, et pour info, quand on taille la peau des petites, euh, des petites euh, citrouilles, eh bien elles moisissent beaucoup plus vite, méfiez-vous. Donc ça marche qu'une seule journée pour, 30, euh, pour euh, le 30 octobre. 31 octobre ok donc ici je suis dans photoshop du coup je vais pouvoir faire tout ce qu'on a vu tout à l'heure je peux le faire de manière localisée si je le souhaite euh, tout à l'heure il m'avait proposé de l'ouvrir en tant qu'objet dynamique je peux le convertir en objet dynamique si je le souhaite si j'ai aimé le fait de travailler sur du sur caméra raw sur le développement de lightroom je le retrouve ici filtre filtre caméra RAW. et là je retrouve, hey, exactement les mêmes curseurs. Non seulement je retrouve les mêmes curseurs, je retrouve les mêmes automatismes avec par exemple, mes différents profils. Je vais retrouver mes différents outils de retouche. Je vais retrouver les retouches avec les réglages fins, etc. La teinte appliquée de manière locale. Je vais retrouver du coup le masquage automatique euh, autour de la zone. On va pouvoir lui demander d'avoir un pinceau qui sera peut-être beaucoup plus fin et sur lequel on va faire une retouche beaucoup plus visible dans un premier temps. Hop. Ici, si je lui demande le masquage en incrustation, option de masque, masquage auto. Voilà. check Là, je vais avoir un masquage qui va correspondre que aux zones qui m'intéressent. Et Alt, on va enlever. Tout ce qui nous intéresse pas. Et là, c'est plutôt cool parce que même si je suis à la tablette et j'ai vu des photographes, même très récemment, qui pour le coup étaient à la, étaient à la souris, euh, là, en fait, on n'a plus besoin de s'embêter quand on est avec le masquage auto pour pouvoir retrouver justement la bonne zone, pour pouvoir compléter et pour pouvoir re... retoucher les images et leur donner des aspects fantasmagoriques, hein, notamment au niveau de mes... de mes citrouilles. Ça, ça me semble important. OK? donc celui de Photoshop travaille directement sur les pixels et là en nom destructeur donc il doit recalculer, ouais sans doute merci pour la date du 31 octobre donc si j'ai autre chose de jaune je peux travailler là dessus et du coup je vais pouvoir faire mes corrections je peux les faire de manière violente ou un petit peu subtile je suis pas obligé, attention à moi de bien choisir, de bien assimiler ce que je veux, je peux rajouter un peu de matière là dedans je peux changer un petit peu l'expo à l'intérieur des yeux des citrouilles je vais pouvoir faire ça et à l'intérieur de Photoshop, quand je vais vouloir faire du masquage, je vais pouvoir faire plusieurs manières de, plusieurs manières de faire des sélections. Le masque dans Photoshop c'est une sélection. Souvent c'est pour pouvoir isoler. Oups, pardon, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Souvent c'est pour pouvoir isoler un élément par rapport à son fond. Par exemple, je trouve que c'était pas mal, mais j'aurais bien aimé partir sur une photo euh, de stock, hop, Adobe stock, et chercher plutôt une forêt automne. Idéalement dans les gratuits et pas forcément avec des personnes âgées. Euh, forêt automne ici, dans les gratuits. Est-ce qu'il m'a trouvé des images qui correspondent Voilà, celle-là est pas mal. <laughs> Elle fait partie de mes gratuits. Je peux compléter. Je peux même retrouver juste les feuilles pour faire chercher des similaires, etc. Et comme j'aime bien cette image, hop, on va revenir juste avant dans la dans le choix de cette image, eh bien j'ai tout simplement l'enregistrer dans la bibliothèque et je pourrais même lui demander. C'est une image euh, sur les gratuites donc je me permets un petit peu plus de fantaisie là-dessus et je vais pouvoir aller récupérer mon image et je vais pouvoir la mettre en arrière-plan sur le depuis la bibliothèque. Donc je reprends tout ça, je vais dans la bonne bibliothèque qui vient de bouger, je vais j'ai pas besoin des thèmes de couleurs ni des styles de caractères, il y en a du monde et je peux poser cette image directement sur mon contenu. Ça va, ça Et maintenant, je vais mettre ça en dessous de mon calque. Et je vais venir faire du masquage, ici. Alors, le masquage et la sélection, Stéphane nous a donné une excellente session au mois de mai, si je ne dis pas de bêtises, euh, sur « Vous cherchez sur Beyond ce masque » dans Photoshop. Euh, il nous a fait tout ça. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de me dire que je pourrais aller chercher, par exemple, sur ma photo, euh, une sélection du sujet. Je prends du coup mes outils de sélection directe, par exemple la sélection rapide ou la baguette magique, et je vais lui dire fais-moi une sélection du sujet. Et regardez bien, là c'est magique, il vient d'identifier que le sujet au premier plan était là. Il y a des zones que j'aurais bien rajoutées aussi, et je peux compléter. Soit je complète directement, soit je vais aller sur l'espace sélectionné et masqué. Et là, je vais dans l'affichage, dans je vais lui dire oui, mais on va le voir directement sur les calques, parce que j'avais prévu mes calques exprès pour ça. Et donc, je pourrais par la suite ajuster ce contenu. Donc, on va au-delà du simple masque, on va utiliser un masque pour pouvoir faire une intégration. Et c'est ça qu'on va faire dans Photoshop. Photoshop, on va pouvoir pousser, soit choisir de localiser plusieurs petits réglages, travailler dans des courbes, etc. Mais vous avez vu déjà le type de rendu qu'on obtenait en étant simplement dans Lightroom. Là, je vais juste un petit peu plus loin, et puis je vais pouvoir lui demander dans cet espace de travail, je vais pouvoir lui dire, tiens, on va aller chercher là-dessus, on va aller augmenter et rajouter dans ma sélection, voilà, toute cette zone-là. La zone qui était en bas avec les rubans m'intéresse aussi. Hop, ici, on va essayer de retrouver un petit peu de matière. Là, il y a des trous. On peut peindre cette zone si j'en ai besoin. Hop, je peux peindre encore la zone qui m'intéresse. Et puis, si je m'approche un petit peu ici, je me rends compte qu'ici, j'ai un petit bout de la citrouille derrière qui était arrivé. Eh bien, je peux utiliser ma sélection d'objets et avec Alt, je vais enlever une partie de cette zone. Et donc, il va enlever cet élément-là. Normalement. Logiquement, il devrait soustraire un peu le contenu. Ce qui sera intéressant pour vous là-dedans, c'est qu'au niveau de la sélection, vous voyez, on va avoir vraiment l'ensemble des éléments qui vont être pris en compte. Et si j'ai besoin d'un. Tout petit peu mieux intégrer mon contour et eh bien je vais pouvoir lui dire on va faire du contour progressif alors je vous montre de manière violente ça c'est ce que vous ferez pas parce que c'est un peu euh, gras par contre eh bien vous allez y aller de manière un petit peu subtile 3 4 pixels peut-être vous allez du coup peut-être rentrer un petit peu faire un décalage de ce contour dans un sens on va le faire avec du contraste vous allez mieux voir ce qui est en train de se passer ici donc j'ai mon contour progressif on va augmenter la zone de décalage, et vous allez voir que soit j'ai un décalage ici à 0, et du coup j'ai bien le contraste qui est fait, soit je vais lui demander de rentrer un tout petit peu dans la sélection. Et je vais rarement mettre du contraste à 100%, je ne suis pas en train de détourer une voiture, je suis en train de détourer une citrouille. Et là on commence à avoir un petit peu cette intégration qui m'intéresse mieux là-dedans. Cette retouche, ce masque, la manière dont on vient de le fabriquer, je peux y revenir à tout moment. C'est-à-dire que je peux repasser, je peux retester ça. Et surtout, par défaut, par sortie, il va sortir juste sur une sélection. Moi je sais que je peux aller directement dans un masque de fusion, et du coup quand je vais sortir, eh bien Photoshop m'aura créé le masque de fusion. Si vous êtes un as de Photoshop et que vous en avez l'habitude, bah, vous savez que c'est hyper facile à faire. Euh, si vous ne connaissez pas encore, laissez-vous guider et vous aurez les masques à disposition pour pouvoir travailler. Par la suite, ce qui m'intéressera, c'est peut-être de prendre cette photo qui vient du cloud, qui vient d'Adobe Stock, et de faire une retouche dessus en termes de couleur. Et donc, je peux repartir, faire une retouche juste sur la photo d'arrière-plan pour pouvoir peut-être harmoniser un peu ce contenu et donc euh, réchauffer un petit peu tout ce petit monde, baisser un petit peu ici, diminuer peut-être un peu le contraste. Hop, des tons clairs. J'en ai pas, de toute façon, dans l'image. Rééclaircir un peu les tons foncés. Ok. Et puis, tout simplement, tout simplement, là dedans, on va peut-être rechanger un petit peu la, la teinte. Voilà. Hop. Pour pouvoir retrouver des tons qui m'intéressaient un petit peu plus. Voilà. Donc, la saturation. Non, non, on va pas toucher à la saturation. On va peut-être baisser un tout petit peu la vibrance. Voilà. Juste pour mieux intégrer le contenu. Je valide. C'est pas mon meilleur choix et si c'est pas mon meilleur choix, c'est pas grave parce que ce filtre, je peux aussi venir et là c'est un petit détail. Je sais pas si vous avez déjà vu quand vous intégrez des calques de réglage dans Photoshop avec ou sans le réglage et ici j'ai un petit curseur et je peux lui demander sur ce petit curseur de choisir si on va appliquer le filtre à 100% ou si on va l'appliquer mais de manière un petit peu moindre, avant, après. Voilà. Donc comme ça, je vais pouvoir réintégrer un tout petit peu mieux mon rendu. Merci Alexandre pour le lien vers la session de Stéphane. Ouais, c'est cool. Ça vous va tout ça Ça vous plaît On arrive quasiment au bout de l'heure que je m'étais accordé. Je vais faire disparaître ce petit masque. Je vais faire une petite tentative avec vous. Promis, je suis pas le roi des tentatives sur ça. Je vais vous emmener tout à l'heure, on est allé voir dans les récapitulatifs dans les. c'est dur à dire, dans les récapitulatifs de nouvelles fonctions à l'intérieur de Lightroom classique. Eh bien, si vous le, me suivez, là on est arrivé dans Photoshop, et je peux lui demander dans Photoshop d'aller voir justement l'appli Photoshop. Alors, il y a plein de trucs. Photoshop on fait tellement de choses qu'on peut s'amuser, j'adore ce clip, et j'adore justement tous ces petits réglages. Et quand on regarde dans les fonctionnalités de Photoshop, on va voir des nouveautés. Et dans les nouveautés... Il y a eu les nouveautés pour poste de travail, il y a eu le remplacement du ciel, le fameux remplacement du ciel, ça vous l'aviez vu. Pour moi ça rentre pas dans la partie masquage, mais on pourrait se dire que peut-être ça déborde un petit peu. Je peux voir le résumé de toutes les nouvelles fonctionnalités. Et dans le résumé des nouvelles fonctionnalités... Hop, Clique donc, et vas-y, voilà. Dans le résumé des nouvelles fonctionnalités, en plus des neural filters pour par exemple changer les visages, etc., en plus du changement du ciel, en plus de, de la loupe pour aller chercher plein d'infos sur votre contenu, il y a des petits trucs en plus. Et dans les petits trucs en plus, alors on a eu un travail sur les formes dynamiques ça ne nous concerne pas. On a eu de quoi réinitialiser un objet dynamique. Ça, c'est plutôt pour les gens qui font du, du design, du graphisme à l'intérieur de Photoshop. On a les recherches dans tout un tas de panneaux. Et surtout, surtout on a l'outil de traçage environnement pris en compte. Cet outil de traçage environnement pris en compte, il porte un nom en anglais qui devrait vous parler, c'est le Content Aware. Content Aware, c'était cet outil qui dans Photoshop vous permettait de faire des retouches quasiment magiques parce que Photoshop regardait autour de votre zone de retouche. Et cet outil-là, il est disponible via préférence, aperçu de technologie, pour l'activer. Et ensuite, on aura l'outil de traçage. On va regarder dans les aperçus de technologie, justement, comment ça fonctionne et comment on va pouvoir retravailler là-dedans. Je vais pouvoir lui demander ici, donc dans mon Photoshop, dans les préférences, dans les aperçus de technologie. Alors sur Windows, ce sera dans le menu Édition, tout en bas. Sur Mac, c'est ici Photoshop Préférences Aperçus Techno. Et je vais pouvoir lui demander d'activer l'outil de traçage Environnement prise en compte. Ce sera valide au prochain redémarrage de Photoshop, mais j'ai anticipé et je l'ai déjà activé. Il me prévient. Pour activer l'option, on va, on va cocher cette case et puis on va sélectionner cet outil de traçage dans la palette d'outils. On pourra d'ailleurs la retrouver. Pour les gens qui en ont besoin, je lui dis ok, regardez. Euh, moi je l'ai intégré, je suis allé le chercher avec la plume P et sur mon panneau de base, eh je n'avais pas, pas accès à ça. Donc il a fallu que j'aille voir dans les trois petits points en dessous et que j'aille chercher dans la modification de ma barre d'outils pour retrouver cet outil de traçage qui est tout en bas, tout en bas, environnement pris en compte, celui-ci. L'avantage pour moi c'est qu'il a le même raccourci que les autres, donc outil de traçage environnement pris en compte, et je vais pouvoir modifier ma barre d'outils, et je vais pouvoir lui demander donc que le traçage contenu pris en compte soit intégré directement à mes outils plumes. Et je vais le mettre ici ok, terminé. j'ai pu modifier mon panneau dans photoshop pour retrouver cette information là. donc, cette fois-ci, j'ai bien le traçage environnement pris en compte. et quand je vais choisir cet outil... quand je vais choisir cet outil, je vais pouvoir aller faire des, euh, des traçages. Je ne veux pas du tout sauvegarder. Et là, vous allez voir que en fait, Photoshop va trouver les éléments qui sont très contrastés sur mon image. Et là, je vois que j'ai quasiment de quoi faire la sélection de la zone sombre autour. J'aurai la même chose peut-être sur certains éléments ici. Là, il est capable de le déterminer. Là, il arrive à le trouver. Pour l'instant, je ne clique pas. Hein. Je suis juste en train de regarder mon tracé. Je peux lui demander de faire un tracé qui soit soit normal, soit détaillé. Là, il va être capable d'aller détailler certains éléments. Je peux lui demander d'aller faire un tracé plutôt simplifié. Et là, vous voyez qu'en tracé simplifié, il va me permettre de compléter tout ça. Comment ça va marcher par la suite Je vais choisir le niveau de détail qui m'intéresse dedans. Et là, vous allez voir en niveau de détail tout ce qu'on va pouvoir visualiser sur cet outil-là. Là j'aime bien augmenter le nombre de détails, mais attention pas trop, parce que plus j'ai de détails, plus il va s'attarder sur des éléments dont je n'ai pas forcément besoin. En tout cas maintenant que j'ai travaillé là-dessus, je peux cliquer et majuscule clic compléter mon tracé justement pour pouvoir avancer sur ce tracé-là. Et je le laisse me guider, je le laisse remplir en fait mon, mon rendu. Et Photoshop euh, fait travailler ces petits algorithmes Sensei en arrière-plan pour pouvoir me faire un détourage qui va être utile et utilisable pour moi, pour mon besoin. Euh, je vais aller un petit peu vite sur la fin, histoire de le retrouver. Je sais pas s'il va me retrouver ici, le bord du contenu. Tac. Alors là, il a essayé de le rattraper à l'envers. On va l'aider de ce côté-là. Tac et du coup, on va pouvoir faire du tracé à la plume, pas trop mal, et on pourra compléter de toute façon parce que majuscule P me permet de retrouver ma plume classique, ou la plume de courbure, ou n'importe quelle autre plume que vous aviez l'habitude d'utiliser dans Photoshop. Double clic, on continue, double clic ici pour courber, tac, et ainsi de suite. Donc majuscule P, je vais compléter et je vais utiliser mes différents outils de tracé pour pouvoir faire, eh bien, par exemple ici, une sélection. Je peux faire ma sélection à partir de ce, de ce masque. Et je vais pouvoir, et ça c'était un petit rappel sur les masquages, c'est que je vais pouvoir passer dans mon panneau de propriété et lui demander, par exemple, eh bien, de baisser la densité pour voir l'arrière-plan. Ça ça peut être utile pour vous, pour savoir quand vous êtes en train de, de travailler dessus. Mais surtout, et ça c'est un truc que j'aime bien dans Photoshop depuis quelques versions, hop. C'est que je peux lui demander, un, de changer sur mon tracé, sur les réglages du tracé. D'abord, je peux changer l'épaisseur. Si j'étais euh, si par défaut sur du jaune, je verrais beaucoup moins mon tracé sur ma citrouille. Là, je peux, lui, je peux le laisser par défaut. Je peux diminuer l'épaisseur de ce tracé, si j'ai un écran très, très précis ou moins précis. Et je vais pouvoir lui demander de changer le contour progressif directement autour de ma sélection. Et c'est une sélection à la plume, c'est-à-dire que même quand je change le contour progressif sur une sélection à la plume, ça veut dire qu'avec ma flèche de sélection directe, ici, sélection directe du tracé, petit A, et eh bien je vais pouvoir attraper un point et je vais pouvoir bouger ce contenu, et je vais bouger une zone de sélection floue avec du contour progressif. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que ça va vous servir. Donc n'hésitez pas, 1, à utiliser et à tester l'aperçu de technologie. Et euh, à vous dire, tiens, en amélioration du produit, qu'est-ce qu'on peut faire J'aimerais participer à améliorer le produit en, en envoyant, par exemple, les données de fonctionnement, à, à prêter une partie de mes documents pour les chercheurs si j'en ai besoin, à collecter, etc., etc. Bien entendu, le but du jeu, c'est d'améliorer l'outil. C'est pas non plus de prendre vos photos. Ils en ont a Priori, pas grand chose à faire, et quand j'ai besoin de chercher des contenus, hop, je vais ici découvrir, et donc on va chercher le traçage, hop, outil plume, je sais plus il me faut si le CCD est pris en compte, traçage. outil traçage, check eh et l'outil traçage, et bien je vais retrouver donc son outil, mais je vais retrouver aussi là-dedans tous les résultats, et notamment, et eh bien les usages dessin avec les outils plumes, utilisation du filtre, etc., etc. Et je vais pouvoir lui dire, bah tiens, ça c'est pas mal, traçage avec environnement pris en compte, j'arrive à le retrouver facilement, il est présent ici. Ok Allez, et eh bien on repasse Check. sur cet écran. Merci à tous d'avoir suivi la session. Euh, merci aux habitués, merci aux nouveaux. J'espère que ça vous a convenu et que vous avez pu euh, trouver un petit peu des contenus qui vous intéressaient là-dedans. Donc comme je vous l'ai dit, moi je suis très content et très fier, grâce à vous on est plus de 70 000 à être abonné à la chaîne YouTube Adobe France. Donc ça veut dire que le contenu vous plaît. Euh, N'hésitez pas, si vous le souhaitez, si vous souhaitez compléter tout ça, je vais vous faire passer le lien du Discord en français qui va vous permettre d'échanger avec nous sur le sur les différents outils, sur vos différents besoins par exemple. Et donc euh, vous pourrez nous poser des questions, nous dire tiens on aimerait bien aller un petit peu plus loin sur tel ou tel sujet. Euh, N'hésitez pas non plus, si à regarder en dessous, euh, sur que vous soyez sur Beyond ou que vous soyez sur euh, YouTube, puisque vous aurez accès aux prochaines sessions sur la chaîne YouTube ou sur Beyond Donc euh, voilà, tout est dispo pour vous et vous aurez accès à tout ça. J'ai fini de vous partager des liens. Je vous remercie d'être tous avec nous régulièrement. On se retrouve à 14h avec Aurore Bay et Laura Lullier qui vont continuer d'explorer ce qu'elles peuvent faire sur le thème de l'automne à l'intérieur d'Adobe Fresco. Donc rendez-vous à 14h et à très bientôt. Merci beaucoup.